Mesdames, Messieurs les élus, bonsoir. Mesdames, Messieurs les visiteurs du Conseil municipal, merci d'être là, toujours aussi présents, pour suivre les échanges et les débats. Bien. Alors, on va procéder à l'appel. Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon. Présente. Éric Flessel. Présent. François Derre a donné pouvoir à M. Éric Flessel. Delphine Schlegel. Présente. Claude Mazard. Présent. François Puleux. Présent. Corinne Islin. Présent. Jean-Charles Hollander. Présent. Manuela Ramirez. Présent. Corinne Tanguy. Présent. Maria Miranda. Présent. Véronique De Aquino. Présent. Ida Peloso. Présent. Éric Fournier. Présent. Isabelle Baupin-Vecchio. Présent. Pascal Guelbert. Présent. Vincent Vernajoux. Absent. Claire Hénin. Présent. Francis Defrano. Présent. Monsieur Bernard Lidian. Présent. Madame Suzanne Charrier. Présent. Monsieur Franck Attal. Présent. Madame Martine Antonin Rimbaud. Monsieur Pierre Hachon. Présent. Monsieur Jean-Pierre Lahaye. Présent. Monsieur Jean Recherchant. Présent. Et Madame Pascale Dumetz. Présent. Secrétaire de séance, Monsieur Pierre Agement. Bonsoir. Eh bien, lors de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 2016, ont été délibérés les points suivants. Finances, admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Attribution d'une avance de subvention de fonctionnement 2017 pour la Caisse des écoles. Fixation de l'indemnité de conseil attribuée au trésorier principal de Noisy-le-Grand. Reversement au profit du CCAS de la somme de 801,32 € perçue par la commune dans le cadre du remboursement effectué par le groupe Chèque Déjeuner. Montant définitif de l'attribution provisoire du Fonds de compensation des charges territoriales 2016 au bénéfice du territoire Grand Est. Décision modificative numéro 4 du budget de la commune. Ressources humaines. Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Arbre de Noël pour les enfants du personnel. Cadre de vie. Demande de subvention pour l'achat de matériel alternatif au désherbage chimique. Avis sur le projet de schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Affaires scolaires. Participation financière aux frais de fonctionnement de l'école d'une commune scolarisant un jeune gournaisien. Animation. Approbation du tarif de participation à une soirée dansante. Troisième âge. Tarif pour la participation aux sorties organisées pour les seniors de la ville. Lien social. Convention de prestation de services ordinaires. Centre social Maison pour tous. Municipalité. Désignation d'un correspondant sécurité routière, désignation d'un représentant au sein du Conseil territorial de santé, désignation d'un représentant au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et désignation d'un représentant du Conseil au Conseil d'administration du groupe hospitalier intercommunal de Rhin-Simon-Ferbeil. Merci, Monsieur Agement. Y a-t-il des commentaires, des remarques sur ce qui vient d'être évoqué ? Donc c'est une approbation unanime. Merci. Bien, on va donc pouvoir démarrer nos travaux du soir. Et nous allons démarrer par le DOB, débat d'orientation budgétaire. Et ce débat d'orientation budgétaire et cette délibération va être présentée dans un premier temps par M. Mazard, pour ce qui est des généralités. Et j'inviterai chacun des élus qui sont concernés par des investissements sur cette année en cours à présenter les différents travaux qui auront lieu dans leur délégation. Monsieur Mazard. Bien. Le débat d'orientation budgétaire et le rapport d'orientation budgétaire donne lieu dorénavant à un vote par le Conseil municipal depuis l'année 2016. Il va comprendre une analyse postérieure du budget et inventorier les projets d'investissement à venir. Nous allons donc voir d'une part la nouvelle organisation territoriale, la section de fonctionnement, les diverses dépenses d'investissement du débat d'orientation, et nous finirons par la dette et le résultat du compte administratif de la commune. Le territoire Grand Paris Grand Est, la ville, a transféré trois compétences au territoire en 2016.
Le PLU, l'eau et l'assainissement et la gestion des déchets. Ces transferts de charges ont donné lieu au versement en 2016 de 156 124 euros au Fonds de compensation des charges territoriales, le FCCT, et l'évaluation du FCCT pour 2017 est de 125 000 euros en charges fixes et de 25 000 euros en charges variables, soit un montant tout à peu près équivalent. D'autres compétences seront transférées avant la fin d'année 2017, comme l'action sociale, la programmation, la construction et la gestion d'équipements culturels et sportifs, l'aménagement, le développement économique et l'habitat. La métropole. Les flux financiers ont impacté le budget de la commune en 2016 et il en sera de même pour le budget 2017. Nous vous rappelons que la commune perçoit toujours la fiscalité des ménages, mais que la fiscalité professionnelle comme la CFE, fiscalité des entreprises, est perçue par le territoire dorénavant. La métropole encaisse maintenant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, et la taxe sur les surfaces commerciales des entreprises, la TASCOM, la taxe pour les entreprises de réseau, l'IFER, et la taxe additionnelle sur le non-bâti, ainsi que la CPS, la compensation de la part salariale de la taxe professionnelle. En contrepartie, la métropole a versé une compensation de 703 000 euros en 2016 et elle en sera du même montant en 2017. Une information pour M. Recherchant, l'imputation comptable, c'est la 7321. La poursuite des baisses de dotation. La loi de finances de 2007 marque la poursuite de la contribution des collectivités territoriales à l'effort de redressement des comptes publics. Depuis 2011, l'État a gelé les dotations aux collectivités territoriales et à partir de 2014, ce fut le début de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF. Cette baisse se poursuit en 2017 et le montant de la dotation forfaitaire est estimé à 543 000 euros. Et la dotation de péréquation, la DNP, à 80 756 euros, soit un total de 623 000 euros contre 734 000 en 2016, un écart de 110 000 en notre défaveur. Depuis 2012, la baisse des dotations a été constante puisqu'elle a été divisée par deux, passant de 1 359 000 en 2012 à 623 900 en 2017. La fiscalité. La fiscalité des ménages, d'après cette même loi de finances, progressera seulement de 0,4% en 2017 contre 0,90% en 2016 et est estimée à 7 175 000 euros, en hausse seulement de 30 000 euros. Les taux de la taxe d'habitation à 34,69% et de la taxe foncière à 20,86% ne seront pas modifiés et sont bien au-delà des moyennes départementales, régionales et nationales. Il est à noter que les taux de la fiscalité des ménages n'ont pas augmenté depuis 2011. Les produits de la fiscalité des ménages sont passés de 6 294 000 en 2011 à 7 175 000 prévus en 2017. Les compensations fiscales sont à la baisse et estimées à 92 800 euros contre 107 000 en 2016 et ont perdu plus de 36% depuis 2011. Contribution de la commune. La loi SRU pénalise la commune pour carence de logement et la ville paie une amende importante de 186 000 euros en 2016. Elle sera ramenée à 125 000 euros en 2017 suite aux actions menées par la commune depuis 2014. La contribution de la ville au FPIC, Fonds de péréquation des ressources communales, a chuté en 2016 suite à la mise en place du territoire et est passée de 395 000 euros en 2015 à 10 000 euros en 2016. Ce montant reste toutefois exceptionnel et nous l'estimons à 50 000 euros dans le budget de 2017. Le FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, auquel la VU contribue, reste inchangé à presque 1 978 000 euros. La section de fonctionnement. De 2011 à 2016, les dépenses de fonctionnement ont évolué seulement de 3,49% en moyenne, alors que les recettes ont augmenté de 2,03%, moins rapidement que les dépenses en raison des baisses des concours financiers de l'État et du désengagement pour 70 000 euros du département pour le financement de structures de petite enfance. Les charges à caractère général ont baissé de 22% en 2014, mais ont progressé de 5% en 2015, notamment suite à l'ouverture du RAM, à la mise en place de nouveaux services et actions de la ville. Pour 2017, le montant des charges à caractère général est estimé à 2 450 000 euros contre 2 221 000 en 2016, en hausse suite à l'ouverture de la Maison pour tous et au passage à une entreprise de nettoyage des locaux notamment.
Les charges de personnel. Les charges de personnel ont progressé en moyenne de 3,79% entre 2011 et 2007 suite à l'effet du glissement vieillesse-technicité, à l'augmentation des taux des cotisations patronales des retraites, à l'application des différentes réformes comme le protocole PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération, et qui entraîne une augmentation de la masse salariale dès 2017. La masse salariale est passée de 5 153 000 en 2011 à 6 435 000 en 2016, mais on note que depuis 2014, cette augmentation est moins prononcée, avec 5,62% de hausse entre 2013 et 2014, 4,24% entre 2014 et 2015, 2,74% entre 2015 et 2016, et nous prévoyons 1,92% entre 2016 et 2017, avec un montant de charges de 6 558 000 euros. Ce montant estimé comprend une hausse modérée de 123 000 euros, ainsi que de 214 000 euros pour le montant de la cotisation assurance du personnel et 23 000 euros pour la médecine du travail. La régularisation du point d'indice, la réforme du PPCR, la refonte de l'ensemble des grilles statutaires, l'augmentation des cotisations patronales et l'organisation des élections présidentielles et législatives expliquent la hausse de la masse salariale entre 2016 et 2017. La somme de ces augmentations aurait dû représenter au bas mot plus de 277 000 euros, mais le travail mené par la municipalité et les services a permis de limiter cette hausse seulement à 123 000 euros. Cette hausse est d'autant plus largement compensée par le remboursement des rémunérations versées par l'assurance statutaire pour les congés de longue maladie à hauteur de 140 000 euros. Oui ? Je veux bien aussi revenir sur le tableau d'évolution de la masse salariale, effectivement. En quelques mots et quelques chiffres, pour revenir sur les explications de M. Mazard. En fait, en 2016, le gouvernement a effectivement entamé une réforme des salaires des fonctionnaires qui s'est traduit par le transfert d'une partie des primes sur le traitement indiciaire dans toutes les catégories A, B et C, c'est-à-dire tous les agents, et qui se poursuivra jusqu'en 2018. Cette réforme se poursuivra ensuite entre 2017 et 2020 par la revalorisation des catégories C et A, ce qui représente 80% des agents de la collectivité. Parallèlement, depuis 2015, le non-remplacement systématique des départs à la retraite, le non-renouvellement de certains contractuels et la meilleure gestion des compétences dues à la réorganisation des services ont minoré cette augmentation, ces augmentations mécaniques qui dépassent encore les économies engendrées par ces décisions. Ce qui permet de constater, certes, une augmentation de la masse salariale sur l'année 2017, mais seulement de 123 000 euros, alors qu'elle était à hauteur de 324 000 euros en 2013, 320 000 en 2014, 255 000 en 2015, 172 000 en 2016. Vous voyez qu'effectivement, il y a une diminution de cette augmentation, en fait, là, à laquelle on ne peut pas échapper. Merci. Oui, merci. Alors, d'autres dépenses sont prévues, comme les indemnités aux élus, qui sont inchangées à 125 000 euros, les subventions aux associations inchangées à 110 000 euros, la subvention à la Caisse des écoles, qui utilisera l'excédent des années précédentes pour baisser son budget à 39 500 euros, mais qui pourra utiliser jusqu'à 56 000 de dépenses, et les participations obligatoires pour 121 000 euros. Sans oublier le remboursement des intérêts de la dette, aujourd'hui à hauteur de 240 000 euros, alors qu'en 2016, le montant était de 247 936 euros. Seront inscrits en recettes de fonctionnement les produits des services, en hausse de 8%, à 1 191 000, hausse liée à la fréquentation des familles de diverses structures et services comme la Maison pour tous et l'augmentation de 2% des tarifs des accueils loisirs, de la restauration, des études et de la brocante. La CAF et l'État participeront au fonctionnement de nos structures, petite enfance et pour l'organisation des temps d'accueil périscolaire, pardon, à hauteur de 475 000 euros. D'autres recettes seront inscrites comme les droits de mutation pour 360 000 euros et la taxe sur l'électricité pour 125 000 euros. Voilà pour la section de fonctionnement. La section d'investissement. La ville a retenu en priorité les projets financés par des subventions. La réhabilitation et l'extension de la cantine des Pâquerettes, budgétée pour 1 250 000 euros, avec une subvention de la région de 401 000 euros.
mise aux normes des accès pour les personnes à mobilité réduite pour 222 000 euros, avec une subvention de 38 850 euros de l'État. L'acquisition d'une désherbeuse à eau chaude pour 20 200 euros, financée à hauteur de 5 000 euros par l'Agence de l'eau. Un véhicule électrique pour 22 000 euros, financement ADEME et État pour 9 700 euros. Achat de caméras vidéo pour le pont de Gournay et le groupe scolaire des Pâquerettes et le stade pour 24 200 euros, financé en partie par l'État à hauteur de presque 17 000 euros. Nous verserons la subvention d'équipement pour la construction des logements sociaux sur le site du marché pour 300 000 euros, qui sera pris sur le montant de la cession du terrain. D'autres investissements sont prévus et à cet égard, je passe la parole à Delphine Schlegel, notamment sur les divers équipements d'investissement. Alors, juste avant Delphine que tu prennes la parole, il ne s'agit pas pour nous de détailler bien évidemment l'ensemble des investissements qui sont prévus, mais de vous donner une idée finalement assez précise. Ça apparaît sur les documents. Je rappelle que vous pouvez consulter sur le site les documents qui ont été adressés à l'ensemble des élus présents. Donc vous pourrez avoir le détail de ce qui n'est pas évoqué en tous les cas. Il s'agit simplement de synthétiser ce qui nous semble être, ou en tous les cas ce qui semble à l'élu être le plus important. À toi, Delphine. Oui, donc c'est ce que j'allais dire, c'est pas une liste exhaustive. J'ai retenu ce qui me semblait le plus percutant et le plus intéressant pour l'ensemble des personnes présentes ce soir. Donc, on a décidé de construire un autre columbarium au cimetière, puisqu'on commence à manquer un peu de place. On va changer donc le sol de l'aire de jeu qui était en gravier, c'est ce qu'on avait dit au départ. On l'avait fait au départ en gravier, puisqu'on n'avait pas le budget pour faire un sol souple sur les deux aires de jeu. Aujourd'hui, on peut se permettre de le faire, donc on va mettre un sol souple sur l'aire de jeu des plus grands, ce qui sera bien plus hygiénique et bien plus pratique. Ensuite, on a changé la chaudière de l'église, donc on va mettre aussi un piège à son, puisque ça fait un petit peu de bruit, même si aujourd'hui, tout le monde paraît satisfait de cette nouvelle chaudière, qui est, d'après ce qu'on entend dire, une Rolls-Royce, mais elle fait du bruit. Et donc, du coup, on va mettre un piège à son. On budgète toujours, tous les ans, vous l'avez remarqué, les travaux de démolition de la plage. Alors pourquoi? Parce qu'on a déposé un projet métropolitain qui n'a pas été retenu sur la première session, sur la première commission. On espère qu'il y aura un projet qui va émerger et que la métropole va nous accompagner. On attend donc leur décision. Si jamais on ne pouvait pas faire de projet du tout, on serait dans l'obligation de démolir ce site. Et de tenter d'en garder, on va dire, une certaine partie avec une étude de bâti pour voir si on peut garder au moins la tour centrale comme, on va dire, comme point de mire de la ville et puis comme souvenir aussi de cette plage. Donc on budgète toujours ces travaux au cas où on ne pourrait pas faire de projet sur le terrain. Vous avez vu qu'on a rendu aux Gournaisiens un quart de la parcelle. On a vraiment limité au bâti ce qui était barricadé. Donc on a rendu un grand espace là, qui va être engazonné pour une circulation libre des riverains. Sur les bâtiments scolaires, Claude l'a cité tout à l'heure, le plus important c'est la réfection de la cantine des Pâquerettes, donc qui va être faite cette année. Les travaux devraient commencer fin avril. Ensuite, dans les travaux importants, il y a la reprise de l'étanchéité du toit de la maison pour tous. Où on s'est rendu compte qu'au niveau de la RT 2012, c'était compliqué d'être dans les normes avec un toit qui n'est pas complètement étanche. Donc du coup, on a budgété les travaux pour cette année, avec le remplacement des skidômes, donc qui ne sont pas étanches non plus au niveau du logement. L'extension, la maîtrise d'œuvre et les travaux d'extension de l'AMG, donc qui pour l'instant, on a une étude en dur. On est en train aussi de faire une étude en modulaire, parce qu'au niveau du budget, on trouve que le modulaire aujourd'hui est non seulement pérenne, mais peut permettre aussi d'avoir une salle avec un budget moindre, une construction en dur sur formation. Donc là, on est sur les études. Donc les travaux, c'est pareil, hein, sont budgétés pour l'année 2017. Ça correspondrait à un espace de 120 m² supplémentaires pour l'AMG. La création d'une loge pour le gardien au stade, puisqu'aujourd'hui, ils sont dans une petite loge un peu trop loin de l'entrée à notre goût, avec une vitre un petit peu plus conséquente pour pouvoir surveiller les entrées et les sorties au stade. La réfection de la peinture des cours de tennis sur le sol, et puis bien entendu la démolition du clubhouse actuel, puisqu'on rénove entièrement et on change complètement le clubhouse.
Donc il y aura cette fois-ci des vestiaires, des toilettes, ils seront complètement autonomes. Donc après cette réfection du tennis, après la réflexion de la salle de danse, donc il y a maintenant plus d'un an et demi, on rénove aussi le dojo et on change tous les tapis du dojo. Et on l'étend aussi jusqu'aux issues de secours, comme ça il y aura un espace un petit peu plus grand. Et puis la réfection en trottoir de l'avenue Nast, qui mène le collège jusqu'au stade, pour que les 500 collégiens qui circulent à chaque heure de cours puissent circuler sur les trottoirs correctement. Ce sont les investissements les plus importants de l'année 2017. Hein. Après, bien entendu, il y a des mises aux normes de ralentisseurs, etc., tout ce qu'il y a à faire sur la voirie de façon commune sur une année budgétaire. Bien, si certains des adjoints présents souhaitent ajouter à la présentation de Delphine un petit commentaire, n'hésitez pas. Sinon, je vais laisser la parole à celles et ceux qui veulent l'apprendre. Monsieur Bazar, tu as des choses à ajouter ou pas? Oui, puisque je n'ai pas tout à fait fini. Je laisse terminer. Donc, ce programme d'investissement représente environ 3 300 000 euros contre 1 530 000 euros réalisés en 2016. Il sera financé par le FCTVA, le Fonds de compensation pour la TVA, pour 170 000 euros, la taxe d'aménagement pour 70 000 euros, les subventions d'équipement mentionnées plus haut pour 475 000 euros et la cession du terrain du marché estimée à 1,6 million. L'équilibre de la section d'investissement se fera par de l'autofinancement, soit par l'excédent d'investissement du compte administratif 2016. Nous n'aurons pas recours encore cette année à l'emprunt pour équilibrer notre budget d'investissement. Dans ce rapport d'orientation budgétaire, nous devons mentionner les investissements pour les années à venir. À compter de 2018, le programme d'investissement diminue. Il passerait de 1 091 000 en 2018 à 363 000 en 2019, 361 000 en 2020, 352 000 en 2021. Sont prévus pour les années suivantes les travaux d'entretien courant des bâtiments, la poursuite de la mise aux normes des bâtiments dans le cadre de la DAP, les travaux de voirie des trottoirs, de l'éclairage public et des espaces verts. En 2018, nous prévoyons l'extension de la maternelle du château, d'où le montant un peu plus important d'investissement supérieur à 1 million. L'encours de la dette de la ville est en baisse depuis 2014 et va continuer de baisser pour se situer à moins de 5 500 000 euros en 2021. L'encours actuel est de 7 210 000 et comporte 14 emprunts. 75% de l'endettement est à taux fixe, 21% à taux variable sur le Ribor et 4% à taux zéro. Tous les emprunts sont maintenant dits sans risque et la ville a bénéficié d'un fonds de soutien de 87 000 euros pour éliminer le risque sur un emprunt structuré. La dette a un taux moyen de 3,35%. La répartition sur les prêteurs et de 56% pour le groupe CFFL de Dexia, la Dexia Elmel pour 16%, la CAF 4%, donc à taux zéro, et la Banque Postale pour 24%. Enfin, l'estimation du résultat du compte administratif 2016 se soldera par un excédent de clôture de 2 150 000 euros, décomposé par un excédent d'investissement de 1 260 000 euros et de fonctionnement pour 890 000 euros. Bien, Madame Parchon, je crois que vous souhaitez intervenir. Oui, c'était juste pour compléter donc, au niveau des travaux d'investissement, hormis, comme l'a dit Delphine Chéjel, les travaux d'amélioration, d'entretien et d'équipement courant au niveau des centres de loisirs et des centres multi-accueil de la commune. Au budget du 2017, donc, il y a la sécurisation des bâtiments et des personnes, notamment au minimum et à la régie Espace Enfance, avec la mise en place d'un visiophone et l'acquisition d'un logiciel pour plus de performance au niveau des pointages en accueil périscolaire et en accueil extrascolaire. Bien, y a-t-il des commentaires, des questions particulières sur les orientations qui viennent d'être exposées? Madame Charrier, je vous en prie. Oui, merci. Je voulais parler de l'extension de l'école du château. J'aimerais savoir où est-ce que vous agrandissez. Vous me suis occupé du projet, je voudrais savoir si c'est à l'intérieur, et c'est suite à des prévisions d'effectifs qui vont augmenter, comment ça se passe.
Alors, là aussi, je laisse la main à tout adjoint ou conseiller qui souhaite répondre à Madame Charrier. Vous n'êtes pas sans savoir que la population augmente sur la ville, que nos écoles sont arrivées quasiment à leur maximum et qu'il faut de toute façon se préparer à accueillir, dans le cadre des constructions de collectifs sur la ville, se préparer à accueillir les enfants de nos futurs administrés. Et que, vu le nombre d'élèves qui sont actuellement dans nos écoles, puisque là on parle de l'école du Château, mais il en sera de même pour l'école des Pâquerettes, il est impératif de préparer cette augmentation d'effectifs. Je me souviens que nous avions eu un échange sur ce sujet avec M. Lahaye il y a quelques années. Force est de constater aujourd'hui que les écoles sont arrivées quasiment à leur maximum. Il nous reste sur l'école du Château, je crois, un espace d'accessible et de disponible. Et il nous semble, en tous les cas, intéressant et intelligent d'anticiper sur l'augmentation à venir qui ne manquera pas d'arriver. Alors, l'augmentation à l'interne, ça me semble compliqué, hein, puisque nous l'avions dit lorsque nous étions dans l'opposition, il ne s'agit pas simplement d'ajouter des classes, mais il est aussi nécessaire et utile de prévoir les espaces récréatifs. Faute de quoi, la vie collective des élèves est compliquée. Donc l'agrandissement qui est prévu est un agrandissement qui est prévu à l'extérieur des limites actuelles de l'établissement. Voilà. D'autres questions ? Oui, juste pour ajouter une petite chose, c'est que l'investissement est prévu sur un budget 2018. Pour l'instant, la loi nous oblige à prévoir des investissements sur les années futures. On les réduit. Malheureusement, il y en a certaines qu'il va falloir sans doute engager. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui que de 2018 pour l'instant. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Agelin et Monsieur Lahaye, là-dessus ? Quand on parle de travaux de démolition de la plage de Gournay, si je me souviens bien, enfin, j'ai eu quelques chiffres différents qui se situaient entre 500 000 et 800 ou 900 000 euros. Est-ce que c'est toujours ce niveau d'investissement, ou plus exactement de mauvais investissement, parce qu'on va devoir payer pour démolir, ce qui n'est pas... Est-ce que c'est toujours de ce niveau-là, ou est-ce qu'on a trouvé d'autres solutions ? Alors, je vais laisser Mme Chégel vous répondre. Je vais simplement déjà rappeler ce qu'elle a très bien exprimé, c'est que nous avons déposé un projet métropolitain, comme d'autres communes, que notre projet n'a pas été retenu sur la première session, 2016, mais que nous avons l'espoir, en tous les cas, que le projet que nous avions proposé sera retenu en 2017, ce qui nous permettrait de ne pas avoir à financer pour tout ou partie, mais en tous les cas de faire l'économie éventuelle d'une démolition sur la partie qui reste en état. Madame Schlegel l'a déjà exprimé, donc je ne vais pas recommencer. En revanche, sur le coût de la démolition, je te laisse répondre. Une démolition totale, c'est 500 000 euros avec le désamiantage. Monsieur Lahaye. Merci. Non, simplement quelques remarques et questions. Donc, remarques, c'est sur effectivement le budget fonctionnement, les frais personnels, même si on constate qu'ils augmentent moins vite, ils continuent d'augmenter bougrement, puisque depuis 2013, ça représente quand même une hausse de 900 000 euros, ce qui demeure considérable, surtout en termes de ratio de ce poste par rapport au total du budget. On doit se lever à plus de 50% sur les frais de fonctionnement. Ensuite, en ce qui concerne la section d'investissement, on dégage effectivement un excédent, comme l'a fait remarquer Claude. Cet excédent d'1 260 000 sera sans doute utilisé. Je pense qu'il est dû à des crédits qui n'ont pas été utilisés, qui ont été annulés. Parce que s'ils étaient reportés, il y aurait des comptes d'ajustement qui auraient fonctionné. Donc j'avais une question là-dessus. Est-ce que ce sont des crédits l'année dernière, puisque l'année dernière, il y avait à peu près un budget de 4 millions d'investissements
Je ne pense pas que 4 millions aient été réalisés. Alors, je vais laisser M. Mazard répondre sur la deuxième partie de la question. Je vais répondre sur la première partie, sur la masse salariale. Juste pour rappeler à tout le monde qu'on était à 63% lorsqu'on est arrivé en place. Juste pour rappeler à tout le monde qu'il y a eu des prises de position récentes sur la disparition d'un secteur d'activité qui était couvert par le privé, alors que ça fait partie du débat ambiant politique et certains d'entre vous sont engagés et ont les licences dans les équipes dont je parle. Oui, il y a certains secteurs d'activité dont on se sépare des agents et nous en avons parlé récemment. Il s'agissait de l'aide à domicile, par exemple. Néanmoins, sans trop m'avancer, vous avez noté que le pourcentage baissait, et j'espère bien que l'année prochaine, nous pourrons acter une baisse budgétaire sur la masse salariale. Une baisse budgétaire sur la masse salariale, par rapport à nous, où nous avons pris les choses en main en 2014. Donc en 3 ans, on a ramené à 1,94 l'augmentation annuelle. J'espère bien que l'année prochaine, nous serons en capacité de montrer dans le budget que la masse salariale est inférieure à ce qu'elle a été prévue pour cette année. Ça se fait pas sans rien. J'entends ici, là, très souvent des discours politiques, il n'y a qu'à Faucon, il faut faire, faut baisser, etc., le mammouth. Eh bien, moi, je ne parlerai pas du mammouth, mais en tous les cas, on a attaqué sur cette question-là, sans tabou. Puisque là où on a pu baisser les charges, on l'a fait, nous continuerons à le faire. Et le seul poste, puisque je sais que ça fait les choux gras de certains d'entre vous, le seul poste et le seul secteur d'activité qui grossira, c'est la police municipale. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une présentation au CT, d'une réorganisation totale du secteur. Mais nous le faisons aujourd'hui parce que nous avons été en capacité déjà d'entamer une baisse considérable. Celles et ceux qui nous racontaient par le passé qu'ils allaient pouvoir recruter un certain nombre de policiers municipaux alors que nous étions à 63% déjà de masse salariale, sont juste des rigolos. Hein. Néanmoins, en tous les cas, sur cette histoire de baisse de masse, c'est une réalité aujourd'hui. La masse, en tous les cas, elle est maîtrisée et j'espère bien que l'année prochaine, nous pourrons montrer une baisse effective par rapport à ce qui a été prévu sur le budget. Monsieur Mazard, je vais vous laisser répondre pour la suite. Oui, bien, merci. Oui, en fait, tu as répondu un peu à la question. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'investissements qui n'ont pas été réalisés en 2016, puisqu'on avait inscrit plus de 4,5 millions au budget et que nous en avons réalisé que 1,5 million. Donc, effectivement, il y a des investissements qui n'ont pas été réalisés, qui font, merci pour nous, avoir accès à un résultat. Un report qui est intéressant et qui couvre une partie de notre budget de cette année, comme par exemple la plage qui n'a pas été démolie l'année dernière et qui sera peut-être démolie cette année, etc., etc. Donc il y a tout un tas de projets qui ont été prévus l'année dernière, pas réalisés pour différentes raisons, et qui seront peut-être faits cette année ou reportés dans les années futures. Alors y a-t-il d'autres commentaires, des remarques, Monsieur Attal? Merci. J'ai juste une question à poser à Mme Segel. Les VNF n'interviennent pas du tout dans le coût du démolissement de la plage? Les VNF sont propriétaires, donc hauteur d'un tiers du terrain. Ils ont moins de bâti que nous, en termes de propriété, et les VNF n'ont pas d'argent. Donc leur seule participation, c'est de nous laisser carte blanche. C'est bien. Ils nous embêtent sur rien, mais par contre, ils ne financent rien du tout. Et de veiller à ce que les projets soient plutôt soutenus, en tous les cas, et soutiennent la Marne. Ils sont attentifs et vigilants sur cette question-là. Y a-t-il... Monsieur Attal. Excusez-moi, toujours dans la question. Enfin, une deuxième question, vous parliez de police municipale. Personne n'a jamais parlé, en tout cas pour ma part, et j'étais un des seuls à en parler, personne n'a parlé de recrutement, une mobilité interne sur la police municipale. Premier point. Deuxième point, vous étiez le seul à parler de baisse des effectifs municipaux. Nous n'en parlions pas parce que nous savions que c'était une tâche difficile. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, vous n'avez pas baissé. Vous réduisez, mais vous ne baissez pas. Ben, c'est pas en négatif. C'est ça le vrai problème. Et on sait que c'est une tâche difficile. Attention. De 63 à 56, c'est une baisse, monsieur Attal. Non, mais vous parliez... Là, aujourd'hui, moi, je suis en progression dans les tableaux que vous nous donnez. Oui, c'est une progression. Aujourd'hui, quand vous êtes engagé à baisser en dessous de 50% dans votre campagne, on savait que c'était difficile. On savait que c'était quasiment même impossible.
vous essayez de le réaliser, tant mieux. Mais on ne parlait pas, nous, de créer et d'embaucher, mais de faire de la mobilité interne comme nous l'avions fait avec les ASVP. C'était simplement, comme vous avez traité les gens qui avaient ce projet-là de je ne sais quoi, d'ailleurs, je voulais juste rectifier. Voilà, merci. Moi, je vous en prie, on est ravis de vous voir. Bien, est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Agement. Vous nous parlez de la cession du terrain du marché. Évidemment, il va être reconstruit, ce marché. Est-ce qu'on peut avoir un petit rappel? On va devoir racheter ensuite une partie de ce terrain, ou le montage fera qu'on n'aura pas à racheter? On ne va pas racheter un terrain vendu. Non, mais je préfère vous rassurer tout de suite. La construction. Ensuite, ce qui sera racheté, en tous les cas, et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un rachat, c'est plutôt l'histoire d'une subvention. C'est ce qui concerne la partie des logements sociaux. Quant à la halle du marché proprement dite, on est en négociation, en discussion pour l'instant, donc je ne donnerai pas d'éléments supplémentaires sur ce point-là aujourd'hui. Je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Agement. Sur le projet dont parlait Mme Schlegel, concernant... la participation du territoire ou de la métropole concernant la plage, on représente le même projet? Alors, c'est les projets... en fait, ce ne sont pas des projets proposés, je l'ai mal exprimé. Il s'agit simplement de proposer des sites susceptibles d'intéresser la métropole afin qu'elle porte au-devant de promoteurs, d'architectes, etc., le site, afin qu'il soit pris en charge et financé pour une grande partie par la métropole. Ce sont des projets qui sont lancés, type concours. Les entreprises, les architectes, les financiers s'emparent des sites et travaillent et font des propositions à la métropole de projets pour les espaces proposés. C'est pas nous qui disons... on va vous proposer ça pour y faire de la restauration, pour y faire un musée, pour y faire etc. On propose simplement un site exceptionnel. D'ailleurs, c'est ce qui a été quand les représentants de la métropole sont venus. Ils ont tous acté, et c'est pas très compliqué, que le site est particulier, singulier et exceptionnel. Ils ont très envie d'y faire quelque chose. Quoi, il appartiendra à celles et ceux qui répondront positivement si le site est retenu. Hein, c'est, je l'ai mal exprimé, et je préfère le corriger tout de suite. C'est un site que nous proposons. Que nous proposons afin que la ville n'ait pas à sa charge le coût d'une démolition. J'ai entendu parfois certains dire qu'il faut démolir cette verrue, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie qui est très très moche et qui mérite certainement d'être démolie. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on aura mis par terre cet édifice qui est du mauvais côté du mur anticru, il n'y aura plus rien de possible derrière. Donc actuellement, l'idée qui est nôtre, c'est que peut-être une partie du site continue de vivre, mais que surtout la réhabilitation ne coûte rien à la ville. Néanmoins, ne sachant pas quelle sera la décision de la métropole, nous préférons prévoir un budget, même si c'est une démolition partielle, mais Mme Schlegel l'a fort bien dit, il nous semble important de pouvoir conserver éventuellement une partie de cet édifice, sachant qu'à partir du moment où on met bas, il est impossible derrière de reconstruire et d'installer même du mobilier mobile, hein, puisque nous avions déjà proposé à la préfecture un certain nombre de projets, puisque on n'est pas le seul site en Bordeaux. Hein, il y a la Marne, certes, ça monte parfois, mais il y a un certain nombre de pays dans le monde qui ont résolu ces problèmes techniques et qui sont en capacité, même si la berge Veolia est un mauvais exemple, puisqu'elle a fini par couler. Néanmoins, on peut penser qu'il y a aujourd'hui, je pense même pas aux péniches, hein, mais qu'il y a un certain nombre de constructions qui pourraient tout à fait suivre le cours du fleuve. Voilà, donc l'idée, c'est que ça ne coûte rien à la commune. Vous avez tous compris que la situation d'aujourd'hui n'est pas une situation financière simple. Ça ne vaut pas que pour Gournay, bien évidemment. Hein, ça vaut pour l'ensemble des communes qui nous entourent, et notamment pour les communes du territoire dans lequel nous sommes aujourd'hui installés. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autres précisions, d'autres commentaires? Monsieur Lay, je vous en prie.
Merci. Juste une question sur l'endettement de la commune. L'annuité d'amortissement est d'environ 400 000 euros par an. Entre 2015 et 2016, l'encours ne baisse que de 127 000 euros, ce qui tente à prouver que l'encours a augmenté. Est-ce que c'est dû à la renégociation de l'emprunt d'Exia ou est-ce qu'il y a eu un emprunt dont je ne me souviens plus ? Alors, c'est dû à deux choses. La première chose, c'est que l'annuité a fait baisser l'encours de la dette. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons eu un endettement de 175 000 euros accordé par la CAF à taux zéro et qu'on a pris avec plaisir, taux zéro, 175 000 euros, plus la renégociation des 125 000 euros, pour lequel nous avons eu accédé à un fonds de 87 000 euros, je vous rappelle. Bien, il nous est imposé de voter sur le rapport qui vous a été présenté. C'est ainsi. Donc je vais soumettre au vote le rapport d'orientation budgétaire en l'état. Y a-t-il des votes contre ce rapport ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions donc sur le rapport. Et pour le reste, ce sont des votes pour. Merci. C'est ça ? Je ne me suis pas trompé sur le nombre de votes, c'est bon ? 6 ? Bien, nous allons donc procéder à la suite des délibérations et nous allons maintenant nous intéresser à la délibération qui traite des indemnités allouées aux enseignants accompagnant leurs élèves en classe de découverte. Et c'est toujours Monsieur Mazard qui s'en charge. Alors, les enseignants qui accompagnent leurs élèves dans des classes de découverte peuvent percevoir sur le budget de la commune organisatrice de ces classes une indemnité dont le montant est égal au produit d'un taux journalier pour la durée du séjour, dans la limite de 21 jours par année scolaire. L'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1985 du ministère de l'Intérieur fixe les modalités de calcul de cette indemnité selon trois éléments suivants. Une somme représentant les avantages en nature égale à la valeur journalière de la nourriture, à savoir 200% du SMIC, cette somme venant en déduction du montant global de l'indemnité. En deux, une somme forfaitaire pour suggestion spéciale du taux maximum à 4,57 euros. Une somme variable pour travaux supplémentaires fixée en fonction de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder 230% du SMIC. Il convient toutefois de noter que la loi précise que le nombre de jours décomptés commence le jour de l'arrivée au lieu du séjour et s'arrête la veille du jour de retour. Donc, par exemple, pour un séjour qui va du lundi au vendredi, il faut donc compter 4 jours du lundi au jeudi. Durée du séjour, 4 jours. Avantage en nature, 200 fois le SMIC, soit 9,76 fois le brut de 100%, qui correspond à 19,52 euros. Forfait pour suggestion spéciale, 4,57 euros. Travaux supplémentaires, soit 230% du SMIC, soit 9,76 fois 230, 22,45 euros, ce qui nous donne un total de 46,54 sur lequel il faut retrancher les avantages en nature de 19,52 euros, ce qui donne par enseignant pour 4 jours, donc une semaine, 108,08 euros. Ces modalités de calcul s'appliquent donc comme ci-dessus, seul le taux horaire du brut peut être réévalué chaque année. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver cette délibération. Y a-t-il Monsieur Hagemant. C'est une mesure nouvelle ou c'est une mesure qu'on n'appliquait pas parce qu'on ne la connaissait pas ou... Alors je vais laisser Madame Charrier répondre, mais peut-être n'étiez-vous pas là à l'époque. Madame Charrier, je vous en prie. Non, pardon. Non, il n'y a rien de nouveau. C'est tout à fait normal. Merci Madame Charrier d'avoir apporté cette réponse éclairante. C'est effectivement pas nouveau, ça s'est toujours passé. Merci. Autre question, Monsieur Hagemant ? Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques et d'autres questions, on va soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, qui traite cette fois-ci d'une demande de dotation d'équipement des territoires ruraux, plus communément appelée DETR, dans le cadre des travaux d'isolation thermique de
du toit-terrasse de la Maison pour tous, et c'est toujours M. Mazard qui nous en parle. Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis a informé la ville de son éligibilité à la dotation d'équipement des territoires ruraux au titre de l'année 2017. Dans ce cadre, la ville de Gournay a proposé de faire financer les travaux isolation thermique du toit-terrasse de la Maison pour tous. Le montant estimé TTC des travaux est de 98 340 euros. Nous demandons une subvention de 80%, ce qui porte la subvention à 65 560 euros sur le hors-taxe. Et la ville aura une répartition pour 20%, pardon, ce qui correspondrait à 16 390 euros. Le montant de la subvention demandée est donc de 65 560 euros, soit 80% des travaux hors-taxe. Y a-t-il des besoins d'éclaircissement ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Bien. On va maintenant passer à la note de présentation numéro 4, délégation au CIG de la consultation pour l'étude de l'assurance statutaire de la ville. Et c'est Madame Poncelin qui va nous en parler. Alors, le contrat d'assurance auquel la commune adhère par l'intermédiaire du centre interdépartemental de gestion, pardon, couvre les risques statutaires, nous permettant de faire supporter à l'assureur les salaires des agents en congé de maternité, les accidents du travail et les longues maladies. Ce contrat arrivera à son terme le 31 décembre 2017. Le CIG va donc engager une nouvelle procédure de mise en concurrence pour les trois prochaines années, c'est-à-dire 2018 à 2021, avec la participation des communes adhérentes. Cette consultation n'engagera pas la commune si la proposition de taux et de garantie ne convenait pas, mais obligera notre collectivité à lancer par elle-même un marché de mise en concurrence. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal de participer à cette démarche du CIG en lui déléguant la consultation. Y a-t-il nécessité d'expliciter plus avant ? Monsieur Livian, je vous en prie. Non, c'est juste pour savoir quel est le coût de cette consultation du CIG. Alors, il n'y a pas de coût de la consultation, mais c'est le coût de l'assurance que vous voulez connaître. Non, parce qu'on demande au CIG, pré-sélection en quelque sorte, pour nous faire une proposition. Je pense que... On est adhérent au CIG de toute façon. Donc ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien de plus. Non, ça fait partie effectivement des coûts. Voilà. Merci. Tu n'es pas aux finances pour rien, monsieur Livian. Ça revient toujours. Hein. Ça revient toujours. Y a-t-il... Pardon. Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, note de présentation numéro 5. Il s'agit de donner l'autorisation au maire de signer la convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution basse tension et haute tension aérien. Et c'est Madame Delphine Schlegel qui va vous présenter cette délibération. Donc cette convention concerne le développement de la fibre sur la ville, enfin. Donc au début des années 2000, la ville donc, avait signé une convention avec le conseil départemental et des Bitex pour le développement de la ville, de la fibre sur la ville. Aujourd'hui, c'est une convention qui concerne Enedis des Bitex, c'est-à-dire ERDF. Enedis, ERDF, c'est la même chose, et des Bitex et la ville, pour l'utilisation en fait, des supports qui existe donc sur notre territoire, puisqu'il faut savoir que ERDF, prestataire de la ville, utilise des poteaux, et ces poteaux appartiennent à la ville. Donc comme Debitex va se servir également de ces poteaux-là pour développer la fibre en aérien, donc il y a une convention qui doit être signée entre la commune, Debitex et Enedis. Donc en sachant que on a le prochain magazine de la ville est bouclé et on a fait un article pour informer les riverains que les premiers riverains reliés seront reliés au premier semestre 2018 et ce jusqu'à fin 2020. Donc fin 2020, Gournay-sur-Marne devrait être fibré entièrement. Peux-tu, puisque tu es sur le sujet, donner quelques indications sur les travaux en cours sur la ville ? Alors les travaux en cours, il y a 13 armoires qui sont en train d'être posées sur le domaine public. Vous avez dû voir, certaines sont déjà posées, donc les chambres sur les trottoirs plus l'armoire. Alors les armoires sont assez conséquentes, c'est vrai, en effet. Elles sont assez grandes, mais elles sont de toute façon aux normes pour le développement de la fibre.
Donc du coup, certaines sont déjà posées, les autres vont pas tarder à être posées également. Donc il y en a 13 différentes, à 13 endroits différents. Ces endroits ont été choisis, bien entendu, avec la société qui déploie la fibre, puisqu'elles doivent être réparties également sur le territoire pour pouvoir relier tant de foyers par secteur. Donc il y a des poches qui ont été choisies, des secteurs de la ville. Et donc les armoires ont été disséminées au sein de la ville de manière à pouvoir couvrir un réseau le plus grand possible. La fibre arrive par Gagny. Certains se posaient la question, c'était Noisy, ça arrive de Gagny. Bien, donc ce soir, c'est une signature de convention. Y a-t-il nécessité d'expliciter plus que ça? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 6, obligation des propriétaires privés de rejeter leurs eaux pluviales issues de leur construction dans leur propriété. C'est toujours Madame Schlegel. Donc, cette règle existait plus ou moins sous le plan d'occupation des sols. Si certains d'entre vous ont fait construire sur la ville, ils ont dû à un moment donné faire en sorte que l'épandage des eaux pluviales se fasse sur leur propre terrain. C'est-à-dire qu'on oblige les propriétaires à avoir un puisard pour ne pas se relier au réseau d'assainissement pluvial, puisque notre réseau d'assainissement pluvial est tel qu'il ne peut supporter en majorité que la pluie qui tombe sur le domaine public et non pas tout ce qui doit être donc en épandage sur les terrains. Donc on a tenu à préciser les choses par cette note de présentation, puisque aujourd'hui on a des collectifs donc qui se montent et qui se sont montés bien avant notre arrivée aussi, qui alors qu'il n'y avait pas d'impossibilité technique de faire l'épandage sur le terrain, se sont reliés au réseau d'eau pluviale de la ville à l'époque. Donc on veut absolument que sur chaque permis de construire, Monsieur Blazin, notre directeur des services techniques, ait son mot à dire et que ça soit lui qui déclare qu'il y a impossibilité technique et non le promoteur lui-même. Donc du coup, on préfère avoir un regard, on va dire, vraiment technique à l'interne et décider au cas par cas quand il y a une impossibilité technique. Je prends un exemple, par exemple, sur un bâtiment comme celui qui s'est construit en haut de l'avenue Aristide Briand. Il est possible parfois qu'il y ait impossibilité technique sur le terrain, mais on peut imposer, par exemple, au promoteur de faire des bacs de rétention à l'interne et avec un débit donc d'écoulement limité par heure, pour se rejeter petit à petit dans le réseau pluvial et pas d'un seul coup, puisqu'il n'y a pas d'épandage sur le terrain. Ce qui évite à nos clapets de se soulever et à faire des flaques d'eau immenses partout dans le bas de la ville. Y a-t-il besoin d'expliquer plus cette délibération? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, on continue avec la note de présentation numéro 7, procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement domaine de Gournay avec le plan local d'urbanisme de Gournay-sur-Marne. C'est toujours Madame Schlegel. Donc, il s'agit par cette note de présentation de déclarer l'ouverture d'une nouvelle enquête publique. Alors, cette enquête publique est assez simple. Sur la ville de Gournay-sur-Marne, la ville de Gournay-sur-Marne n'était à l'époque constituée que de lotissements, avec des cahiers des charges propres à chacun d'eux. Alors, les diverses procédures juridiques ont permis d'annihiler complètement les règles, on va dire, réglementaires de l'urbanisme. Par contre, il y a des règles contractuelles qui courent encore, et on s'est rendu compte que certaines mêmes habitations individuelles ne correspondaient pas aux cahiers des charges de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des maisons aujourd'hui qui ont des extensions qui ne correspondent pas au cahier des charges de l'époque, puisque c'est un cahier des charges qui date de 1924. Donc forcément, à l'époque, les modes de construction n'étaient pas les mêmes, et les formes des maisons n'étaient pas les mêmes, la grandeur des maisons n'était pas les mêmes. Donc aujourd'hui, comme on vient d'avoir un PLU approuvé, on estime qu'il est nécessaire de faire cette enquête publique pour mettre en conformité ce cahier des charges avec le PLU actuel. Tout simplement pour qu'au niveau juridique, tout le monde soit au clair. Y a-t-il besoin d'éclaircissement, Monsieur Livian? Oui, j'avoue qu'en lisant cette note de présentation, sur le moment, j'étais un peu perplexe parce que normalement,
toutes les règles d'un lotissement, d'un cahier de charge de lotissement ancien qui ne serait pas conforme avec les textes nouveaux, le texte de loi, code de la construction, code de l'urbanisme, sont automatiquement considérés comme étant caducs. Par contre, il est vrai qu'il y a certains règlements, à ce moment-là contractuels, entre les membres du lotissement qui pouvaient continuer à s'appliquer. Mais si on estime qu'ils ne sont plus applicables pour diverses raisons, notamment celles que vous avez énoncées, il suffit de les annuler purement et simplement. Parce qu'en réalité, je ne vois pas bien qui va faire un lotissement ou changer un lotissement qui a été fait à l'époque, à l'origine, par le lotisseur et approuvé par un arrêté préfectoral de l'époque. Qui a qualité aujourd'hui pour changer les règles conventionnelles qui resteraient valables? On a réagi exactement pareil au départ. On s'est dit, bon voilà, en 1924, les règles d'urbanisme réglementaires sont tombées, elles sont complètement caduques, il reste encore des règles contractuelles qui pourraient être viables. On s'est dit simplement, pour être vraiment au clair au niveau juridique et que notre plan local d'urbanisme soit vraiment inattaquable, on s'est dit, on va faire une enquête publique, on sera tranquille. C'est compliqué de les modifier, hein, parce qu'on entre dans un domaine où il y a un peu piégeux, alors les annuler aurait peut-être été plus simple. Enfin, C'est la procédure. C'est la procédure pour les annuler. Pardon de. Voilà. C'est la seule procédure en fait. Soit. D'autres réactions, remarques? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Bien, donc on va maintenant passer à la délibération au numéro 8 qui traite du renouvellement de la convention d'objectifs et de financement entre la CAF. Les multi-accueils, les minimaux, mais c'est Madame Pinchon qui se charge de nous la présenter. Donc effectivement, les conventions d'objectifs et de financement entre la CAF et la ville permet un subventionnement de la CAF pour les structures donc multi-accueil de notre ville, à savoir les deux centres multi-accueil, et on est là donc sur les minimums. Cette convention, donc, elle est valable pour 3 ans, donc elle s'est terminée au 31 décembre 2016. Donc il est demandé là d'autoriser le renouvellement de cette convention. La convention, elle impose à la ville un certain nombre de choses, comme un taux de fréquentation de nos structures de 70% au minimum. Donc on considère donc tous les horaires d'ouverture des structures, donc de 8h à 18h, 5 jours par semaine, 12 mois par an. Et il faut donc que le taux de remplissage soit supérieur à 70%. Il faut également calculer la participation financière des familles en tenant compte des ressources exactes des familles, avec la prise en compte donc, du calcul du quotient familial selon le calcul de la CAF. Et également, la structure se doit donc de fournir l'alimentation et les couches pour l'accueil des enfants. Donc pour les minimums, pour rappel, on accueille au minimum 30 enfants par jour, âgés donc de 18 mois minimum jusqu'à leur scolarisation. On a mis donc en modèle les conventions passées parce que donc, malgré notre demande depuis le mois d'octobre, la CAF ne nous a toujours pas envoyé les nouvelles conventions. Donc c'est pour qu'on puisse les signer dès qu'on les aura. Besoin d'éclaircissement ? Monsieur Agnès. Je vois que nous avons reçu 141 186 euros en 2015, et si nous avons reçu que 108 823, c'est que nous allons recevoir d'autres. Oui, c'est parce que c'est décomposé donc en deux, un 70% d'acompte, et ensuite c'est calculé au réel en fonction du nombre d'heures de fréquentation dans la structure. Donc c'est qu'on n'a pas encore eu en fin de 2016 le complément. D'autres questions? À passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 9, renouvellement de la convention d'objectifs et de financement entre la CAF et le multi-accueil, les petits poussets. Madame Pinchon. Donc il s'agit exactement de la même chose, mais cette fois-ci pour le deuxième centre multi-accueil des petits poussets, donc qui accueille 30 enfants par jour, cette fois-ci de 3 mois à 18 mois. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, nous arrivons à la délibération numéro 10, qui va traiter du tarif des séjours été 2017
et notamment de la participation des familles, et c'est toujours Madame Pinchon. Donc, pour les séjours été, donc, suite à une enquête faite auprès des familles sur ce qu'elles souhaitaient au niveau des séjours, un MAPA a été mis en place sur une idée de deux séjours. Un premier séjour à la mer donc, pour les 8-17 ans et un séjour donc, équitation pour les 6-11 ans. Il y a donc la tranche d'âge 8-11 ans qui est concernée donc par les deux séjours, tout simplement parce que c'est la tranche d'âge qui part le plus souvent en séjour sur la ville. Pour le séjour, donc le lot 1, séjour à la mer 8-17, c'est la société donc Skol Voyage qui propose l'offre financière et technique la plus intéressante, donc pour un séjour de 10 jours du 15 au 24 juillet sur l'île d'Oléron, et pour pratiquer donc le catamaran, l'optimiste, ou la planche à voile. Pas la planche à voile du tout, le char à voile. Donc un transport en car, un animateur pour 8 enfants ou 8 jeunes, en sachant que la norme c'est 1 pour 12, mais c'est vrai que dans le marché, on est très attentif à ce que l'encadrement de nos séjours soit efficace. Et deux groupes qui ont été demandés, donc avec un planning d'activité différent pour les 8-12 ans et pour les 13-17 ans. Donc c'est un seul séjour, mais ensuite ils seront vraiment séparés sur place. Donc en deux groupes, ce séjour donc serait proposé pour 20 enfants ou jeunes maximum de la ville. Le deuxième séjour, donc c'est un séjour qui se fait traditionnellement la dernière semaine du mois d'août pour les 6-11 ans. Donc c'est un petit séjour où les enfants partent le lundi matin, reviennent le vendredi soir. Donc du 21 au 25 août 2017 à Argueil, c'est un centre où les enfants se sont déjà rendus au mois d'août 2016 et donc c'est la société ODCVL qui a remporté donc là le marché. C'est un organisme qui avait donné entière satisfaction l'an passé. Donc cette fois-ci on est sur 15 enfants maximum sur un séjour à dominante équitation. Par rapport au prix des séjours, donc le prestataire demande la somme donc, de 804 euros par enfant pour le premier séjour donc, de 10 jours. Et il est proposé au conseil municipal d'adopter la participation financière des familles grenésiennes à 643 euros. Et pour le deuxième séjour, donc fin août, le coût de la prestation, c'est 422 euros. Et il est demandé au conseil municipal d'approuver la participation des familles à 337 euros. Ce qui fait donc une participation de la ville à hauteur de 20% par enfant et par jour. Y a-t-il des réactions, des commentaires, Monsieur Hagemont ? Est-ce qu'on connaît Skol Voyage ? Et c'est un organisme qui a pignon sur rue. On a appelé des villes qui fonctionnent avec eux et qui ont fonctionné à de nombreuses reprises avec eux. Et des échos positifs, mais la ville n'est jamais partie avec. D'autres questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ah. Abstention ? Ok. Donc 4 abstentions, excusez-moi. Je suis allé trop vite. 4 abstentions. Précision est en fait, ce n'est pas contre les séjours qui nous paraissent très bien, c'est le fait que ça ne paraît pas suffisamment aidé par la municipalité. C'est les tarifs. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé. Nous avions, et d'ailleurs j'y étais pas favorable, nous avions dans notre groupe choisi une participation mairie à hauteur d'un cinquième du coût, soit 20% du coût des séjours. Je l'avais évoqué à l'époque, si j'avais été seul à prendre la décision, j'aurais pas financé du tout. Il y a eu un grand débat au sein du groupe pour savoir à quelle hauteur on devait financer. Certains estimaient que nous devions participer à hauteur de la moitié. D'autres, comme moi, estimaient qu'on ne devait pas participer, mais peut-être se consacrer à essayer de financer des actions et des activités pour celles et ceux qui ne partent pas. C'est ce que nous avons malgré tout tenté de mettre en place sur les stages collégiens pendant les vacances, pour un coût modique de 30 euros. Il me semblait plus pertinent à l'époque de financer ce type d'action plutôt que des séjours. Néanmoins, on avait statué sur une participation de 20% de la ville. Voilà. Mais c'est vrai que vous faites bien de le rappeler. Ça avait provoqué déjà chez nous une discussion. Madame Pinchon. Et juste, effectivement, ça vous apparaît peut-être peu. Une participation de 20%, donc ça fait un montant. On aurait pu, là, sur les vacances de février, par exemple, offrir le centre de loisirs pour toutes les familles qui ont fréquenté le centre de loisirs pendant une semaine. Excusez-moi. La participation pour les séjours, là, les 20%,
Oui. Et c'est l'équivalent et d'offrir le centre de loisirs pour toutes les familles qui en ont eu besoin pendant une semaine, en cumulé. Donc c'est quand même énorme, c'est un budget qui est... Bien, dans tous les cas, chacun vote comme il le désire, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Donc il y a quatre abstentions sur cette question-là. On va passer à la délibération numéro 11. Approbation du règlement de la brocante annuelle de Gournay-sur-Marne, et c'est Monsieur Éric Flessel qui s'en charge. Bien, les festivités maintenant. Donc, comme tous les ans, la commune organise sa brocante. Afin d'éviter certains abus, nous avons décidé d'établir un règlement de principe pour les exposants. Vous avez dû avoir en annexe ce règlement qui sera applicable pour toutes les prochaines brocantes municipales jusqu'à sa modification éventuelle par le conseil municipal. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver ce règlement de la brocante gournaisienne. Alors, y a-t-il des questions, des remarques sur ce nouveau règlement ? Enfin, que pas nouveau d'ailleurs. Pas de remarques, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité, merci. On va passer à la note de présentation suivante qui parle maintenant des tarifs de la brocante pour 2017. C'est normalement M. Derr qui aurait dû se charger de la présenter, mais c'est M. Flessel qui s'en charge. Voilà, donc on passe maintenant aux tarifs de la brocante. Donc cet événement aura lieu dans le parc de la mairie et sur l'avenue Foch le dimanche 28 mai de 8h à 18h. Il est ainsi nécessaire de fixer le tarif des emplacements, comme indiqué ci-dessous, donc 17 euros pour 2 mètres linéaires pour un gournaisien et 22 euros pour 2 mètres linéaires pour les personnes hors commune. Des commentaires, M. Agement ? On peut se souvenir du montant de l'an dernier ? C'était 15 et 20. D'autres questions ? Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, on va passer maintenant à la note de présentation numéro 13, qui va égayer un petit peu la soirée. C'est Madame Miranda qui s'en charge. Bon, désolée de plomber un peu l'ambiance, mais bon, ça fait partie de la vie. Pour cette note de présentation, il s'agit de réviser les tarifs du cimetière qui n'ont pas été réajustés depuis 2008, donc cela fait 9 ans. Il était pour habitude de les revaloriser de 2% par an, donc il nous apparaît judicieux de faire le rattrapage donc, depuis 9 ans, soit 18% d'augmentation. Donc vous avez les tarifs. Justement, Madame Seychel parlait tout à l'heure du columbarium. Nous sommes en train de refaire un columbarium sur le cimetière ancien parce que nous manquons de place. Pour information, la création d'un columbarium coûte 8 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'opérer une augmentation globale de 18% sur chacun des tarifs déjà existants. Vous souhaitez que je donne les tarifs ? Alors, pour une concession du cimetière sur 10 ans, l'ancien tarif était de 85 euros. En 2017, ils passeront à 100 euros. La concession sur 30 ans sur le cimetière était de 310 euros. Elle passerait à 366 euros. Sur 50 ans, elle était de 800 euros. Elle passe à 944 euros. Ceci, c'est pour le cimetière. Pour le columbarium, il y a trois périodes, donc 5, 10 et 15 ans. Pour 5 ans, nous étions à 50, cela fera donc 59 euros. Pour la concession de 10 ans, 85 euros. En 2016, elle passerait à 100 euros. Et pour 15 ans, on passerait de 160 à 179 euros. Bien. Y a-t-il des remarques ? Cette augmentation, pas de remarques particulières, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Deux abstentions. Bien. On va passer
à la note de présentation numéro 14 qui concerne l'adhésion à la Fédération des centres sociaux de la Seine-Saint-Denis. Et c'est toujours Maria Miranda. Alors, il vous est proposé par cette note de présentation d'adhérer à la Fédération des centres sociaux de la Seine-Saint-Denis que nous avons rencontré avec le directeur de la structure et le personnel. Les orientations de la Fédération sont les suivantes. C'est renforcer et accompagner les centres sociaux dans leur fonctionnement pour consolider leurs fonctions de base, accompagner les centres sociaux dans des réponses à des questions sociales et sociétales. Les trois valeurs fondatrices de la Fédération sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. La cotisation d'adhésion pour cette année se monterait à 600 euros. C'est un montant estimatif car il est calculé sur le budget prévisionnel des charges d'animation globales. Il vous est donc proposé d'autoriser le conseil municipal à adhérer à la Fédération des centres sociaux. Y a-t-il des réactions ? Pas de réaction ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Un vote contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3 abstentions. Merci. Ensuite, on va passer à la note de présentation numéro 15 qui concerne l'approbation du règlement du duathlon course d'obstacles canoë et kayak annuel de Gournay-sur-Marne, annuel à partir de maintenant, si ça fonctionne, bien évidemment. C'était M. Der qui devait se charger de la présenter, mais c'est M. Flessel qui s'y colle. Donc l'organisation d'une manifestation sportive duathlon d'obstacles et de canoë-kayak au printemps prochain est proposée par le service des sports de Gournay. Il était donc nécessaire d'établir un règlement de principe pour les participants. Vous avez dû avoir en annexe le règlement qui est applicable pour cette édition et toutes les prochaines éditions de ce duathlon municipal jusqu'à ce que l'on procède à des éventuelles modifications lors d'un conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce règlement. Voilà, tout est dit. Y a-t-il des remarques ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité du règlement proposé. Merci. On va passer à la délibération numéro 16, approbation de la convention de mise à disposition ponctuelle de la base départementale de Champs-sur-Marne entre le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Gournay-sur-Marne pour l'organisation de cette course. Monsieur Flessel. Donc ce fameux duathlon aura lieu le dimanche 14 mai, en partie sur la Marne. Afin d'assurer nos arrières et en cas d'impossibilité de navigation sur la Marne, nous avons l'intention de signer une convention avec la base départementale de Champs pour pouvoir se replier et pouvoir faire l'épreuve de canoë sur la base de Champs. Donc, dans ce cadre, il est nécessaire d'établir une convention signée par les deux parties en formalisant les engagements réciproques des partenaires. Vous avez donc un exemplaire de la convention en annexe, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention. Y a-t-il des questions ? Pas de questions particulières. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. On va maintenant passer à la délibération numéro 17, approbation de la convention entre l'association des sports de Chelles, section canoë-kayak et la ville de Gournay-sur-Marne pour l'organisation du duathlon. Course d'obstacles, canoë et kayak, c'est toujours M. Flessel. Donc pour l'organisation de cette course, nous avons fait appel au club de canoë et kayak de Chelles. Bien évidemment, ils vont nous soutenir sur plusieurs points, mais nous avons donc besoin de signer une convention avec eux. Donc vous avez un exemple de la convention de partenariat avec le club de Chelles. Et on vous demande donc d'approuver cette convention. Des questions ? Pas de questions ? Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Enfin, dernière délibération du conseil municipal de ce soir, tarif de la manifestation du duathlon. Et c'est toujours M. Flessel.
Donc, bien évidemment, pour s'inscrire à cette première édition de ce duathlon, il va falloir, payer. Donc, voilà, aussi. Donc, il s'agit d'une course d'obstacles, donc canoë-kayak en équipe de deux, avec 10 équipes par vague, avec 4 vagues maximum sur la matinée. Donc, cette manifestation est réservée aux personnes majeures, attestant savoir nager et être en bonne santé. Donc, cet événement, je l'ai dit précédemment, a lieu sur les bords de Marne le dimanche 14 mai. Et il est ainsi nécessaire de fixer le tarif des participants, comme indiqué ci-dessous, à savoir 15 euros pour chaque participant, soit 30 euros par équipe. Voilà, vous savez tout sur cette course organisée en partie sur la Marne, si tout va bien au niveau du temps. Sinon, ça sera pour la partie d'eau sur la base de champ. Y a-t-il des remarques particulières ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est un vote à l'unanimité. Merci de soutenir ce projet nouveau pour la ville. Bien, l'ordre du jour de ce soir est arrivé à son terme. On a épuisé toutes les délibérations. Nous allons maintenant passer à la question diverse posée par l'équipe de M. Hagemans. Mais avant qu'on ne traite de cette question, je souhaitais qu'on vous communique deux, trois informations. Madame Schlegel, s'il vous plaît. Alors, dans un premier temps, la Maison pour tous a été fibrée. Donc, ça y est, la fibre est arrivée jusqu'à elle. On a eu un petit peu de mal avec le prestataire pour obtenir les numéros d'agrément et le matériel. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça y est, la Maison pour tous est fibrée. Donc, le point informatique va rayonner encore plus qu'aujourd'hui et on en est très satisfait. La deuxième information, alors là, qui va sans doute ravir la plupart d'entre vous, c'est que la Poste a enfin décidé de rénover le bureau de poste. Donc nous aurons une vraie agence postale avec de l'argent, des agents et tout ce qui ressemble à une vraie poste moderne. Donc les travaux devraient commencer au mois d'avril et devraient se terminer donc avant l'été. Durant ces travaux, ils se sont engagés à garder le bureau de poste ouvert sur la partie arrière, pendant que la partie avant sera rénovée. Il va sans dire que si la Poste a accepté de revenir sur une position ancienne, c'est parce qu'on les travaille, non pas au corps, mais en tous les cas comme il le faut, pour qu'à un moment donné, ils aient entendu qu'il était nécessaire peut-être que sur la ville, il y ait une poste qui ressemble à une agence postale. À minima, comme ce qui est installé aux arcades, ça a mis du temps, mais ça sera effectif dès cette année et nous en sommes vraiment, vraiment très satisfaits. De la même manière que le déploiement de la fibre, même s'il a été acté et voté depuis un certain nombre d'années, les choses ne se font pas seules et mes petits camarades qui ont été en place avant moi le savent très bien. Si il y a parfois des petites choses qui nous opposent ou qui nous séparent, pour celles et ceux qui ont été aux affaires, ils savent très bien parfois qu'il est parfois très long pour obtenir un certain nombre de choses. En tous les cas, on se satisfait d'avoir réussi à faire aboutir des projets qui ne sont pas forcément des projets nouveaux. La Poste et la rénovation de la Poste, ce n'est vraiment pas un projet nouveau. Et il en est de même pour la fibre. On est arrivé à être entendu sur ces questions, à faire avancer les dossiers, mais ça ne se fait pas tout seul. Alors, je vais donc aborder la question du soir, qui est la seule question du soir. Monsieur le maire, un certain nombre d'habitants de la rue Maurice Guibert a déposé une pétition concernant le projet de stationnement alterné dans leur rue. Pouvez-vous nous indiquer votre position à ce sujet ? Merci de votre réponse. Je vais vous demander de préciser le sens de la question, en fait. Je voudrais savoir ce que vous voulez que je vous dise. Ah non, je ne vais pas vous préciser ce que je veux que vous me disiez, parce que c'est vous qui allez me dire ce que vous voulez me dire, nous dire à tous. Simplement, des habitants se sont adressés au conseiller municipal que nous sommes, enfin, aux conseillers municipaux que nous sommes, et nous ont dit qu'ils avaient déposé une pétition et nous ont demandé de savoir ce qu'il en était. Donc vous allez nous dire si c'est quelque chose que vous souhaitez, si vous souhaitez tenir compte de cette pétition ou pas, et de quelle façon, hein, c'est tout. D'accord. Vous leur avez expliqué le rôle que vous jouiez dans cette commission, à chaque fois, M. Hagemans ?
Oui, tout à fait. On les a eus au téléphone. Non, c'est pas. Pardonnez-moi, mais oui. je voulais savoir si M. Hagemont, qui a été destinataire de cette demande, a expliqué, puisque c'est, en tant que conseiller municipal, d'accord, mais je voulais savoir s'il avait expliqué lui-même auprès de ces gens qu'il participait lui-même à cette commission. C'est ça que je posais comme question. Je n'ai pas été moi-même en contact avec ces personnes-là, mais voilà, Pascal l'a été. Voilà. Et donc, du coup... Moi, j'ai bien expliqué à ces personnes-là le rôle que nous faisions à cette commission et toutes les décisions qu'on prenait. En fait, eux, ils ont déposé une pétition, donc ils en ont fait part. Sur la forme, ils reviennent sur l'histoire que j'ai déjà expliquée en commission, c'est la façon dont ça a été fait. Il y a eu un arrêté municipal qui a été déposé le 18 octobre et ils ont été informés dans leur boîte aux lettres le 2 janvier. Sur le fond, hein, mais sur la forme, ça ne se fait pas. Ces gens-là ont déposé une pétition parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont été un petit peu surpris de cette façon de faire. Donc aujourd'hui, ils nous ont contactés pour nous demander qu'on puisse poser cette question pour savoir ce que vous alliez, est-ce que vous alliez répondre, quel était dans le sens... On a expliqué le pourquoi du comment, voilà. Mais bon, on se doit de faire remonter l'information. Bon, je vais vous laisser la parole, Madame Schlegel, pour un premier élément de réponse. Alors, le sujet de la pétition, il n'est pas du tout celui-là. À aucun moment dans la pétition, ils se plaignent des dates ou quoi que ce soit. Dans la pétition, ils ne sont pas d'accord avec le stationnement alterné. C'est clair, net et précis. Ils remettent en cause la décision de la commission. Alors, je précise pour les personnes présentes que cette commission est une sous-commission de l'URBA, que je préside certes, dont M. Hagemont est le vice-président. Mme Dumetz participe en tant que riveraine et référente de quartier. Les décisions qui sont prises, alors on sait qu'une commission normalement est consultative. Cette commission-là décide, puisque dans cette commission, il y a non seulement des riverains, des élus de l'opposition, des élus en place et notre directeur des services techniques. Donc tout est réuni là pour prendre les bonnes décisions dans l'intérêt collectif. Donc les décisions sont prises de manière unanime, je pense de manière intelligente. Et donc ces riverains réagissent à l'arrêté municipal. Les dates, c'est anecdotique, même si je suis d'accord avec vous sur la forme. Et tant, c'est toujours pas mis en mais, place. Non, toujours pas mis en place. Donc on a laissé quand même un grand temps de réflexion et on va dire de... d'intégration, on va dire, de la règle. Et donc, cette pétition, elle dit simplement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce stationnement alterné, pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être garés devant leur maison. Et d'ailleurs, ils précisent même que, quand ils sont à la fenêtre de chez eux, ils veulent voir leur véhicule devant chez eux. Nous précisons, bien sûr, qu'il y a une tolérance, en plus, sur les bateaux. Tant que l'on se gare dans l'alignement de ce qui est demandé. C'est-à-dire, si c'est dans le fil d'eau, on est dans le fil d'eau, on n'est pas sur le trottoir. Ils préféraient un stationnement à cheval. N'est-ce pas? Donc, bien entendu, nous, on a pris en compte le fait que, certes, on remet les voitures dans le fil d'eau, mais il faut que les trottoirs soient en état. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on compte faire. On compte au moins rénover donc un trottoir sur deux sur l'avenue Foch et sur l'avenue Maurice-Guibert, pour que les riverains donc, soient garés dans le fil d'eau et que les piétons soient sur les trottoirs. Donc leur questionnement, il est vraiment celui-là. Moi, quand j'ai pris connaissance de cette... Juste je me permets de te couper, parce que j'ai senti qu'il y avait un petit peu d'émotion sur le fait qu'il fallait qu'on voie sa voiture. C'est le point 4 de la pétition, hein, c'est les trois dernières phrases du point 4. La mise en place d'un stationnement alterné semi-mensuel nous contraint à devoir nous garer plus loin et sans aucune visibilité de nos véhicules. Mais de qui se moque-t-on? La France serait-elle un pays qui se limiterait à Gournay-sur-Marne? Le code de la route ne devrait pas s'appliquer sur la ville et nous devrions avoir la visibilité sur nos véhicules. Mais je rêve. Mais il va falloir changer de ville. Il faut arrêter de dormir ou il faut dormir dans sa voiture. Mais il est où l'intérêt commun par rapport à ça? On va continuer à laisser nos piétons marcher sur les routes? Eh bien non. Et je l'ai annoncé de manière très claire. Et j'ai au moins ce courage-là, Monsieur Hagemont. Quand j'ai une posture, je la tiens et je l'affirme. Faire de la politique, c'est aussi défendre les prises de position qui sont les siennes, notamment quand on vote à l'unanimité dans des commissions un certain nombre de choses, dont celle-ci. Il me semble important de rappeler un certain nombre de choses quant à ça. J'ai clairement exprimé à l'occasion des vœux que de toute façon, à partir de maintenant et au fur et à mesure de la rénovation des rues,
Les voitures auront vocation, comme ça se fait dans certaines rues de la ville et comme ça se fait dans d'autres villes que Gournay-sur-Marne, sur la chaussée. Et faire en sorte que les trottoirs soient rendus aux piétons, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je ne suis pas là pour faire 2, 3, 4 mandats. Ce n'est pas mon job de faire de la politique. Mais tant que je serai ici et tant que je serai en place, ça se passera comme ça. Je trouve fort de café cette question. D'autant que c'est une d'habitude, les commissions ont vocation à être des commissions consultatives. Cette commission n'est pas consultative, elle décide. Elle décide. Et quand j'entends de cette manière le vice-président de cette commission me poser ce type de questions, j'ai le sentiment qu'il y a un certain manque de courage vis-à-vis des décisions qui sont prises en direction de nos administrés. Je n'ai pas de difficulté à soutenir, pour le coup, des décisions que je n'ai pas prises. Je ne participe pas à cette commission, je n'y ai absolument pas mis mon nez, j'ai laissé la commission travailler et j'ai simplement entériné les décisions qui avaient été prises par cette commission. Donc ce type de questions, je les trouve un peu fourbes. Quand on fait de la politique, il faut avoir un certain courage. Là, j'ai l'impression qu'on en manque un peu. Ceci dit, cette pétition, elle pourrait être mise en ligne. Mais je ne reviendrai pas sur l'arrêté qui a été signé. Je ne vous conteste pas, et Delphine l'a dit, sur les dates. Je trouve dommage qu'effectivement, le timing n'ait pas été totalement respecté. Je trouve ça dommage. Ça fait malheureusement parfois partie des défauts administratifs où on va un peu trop vite. Pour le reste, Gournay-sur-Marne est une ville de France. Et sur Gournay-sur-Marne, comme ailleurs, les voitures seront garées sur la chaussée. Ceci étant, on ne le fait pas n'importe comment. En tous les cas, on n'essaie pas de le faire n'importe comment. On essaie de faire en sorte d'associer, de consulter et de prendre des décisions, en tous les cas, qui sont de bon sens. Mais quand j'en arrive à le lire, ça, il faut que je voie ma voiture du coin de l'œil. Mais non, mais il faut changer de ville, il faut aller vivre ailleurs. Ou alors il faut la faire rentrer sur son terrain. Je rappelle à tout le monde qu'il doit y avoir 2 voitures sur le terrain et les emplacements pour le faire. C'est l'espace public à l'extérieur. Donc non seulement les véhicules seront garés, et tant pis si ça ne plaît pas, les véhicules seront garés à terme sur la chaussée. Nous allons faire en sorte qu'un trottoir sur les deux soit rénové de manière à ce que les piétons puissent circuler en sécurité sur les trottoirs, puisqu'aujourd'hui, dans bon nombre de rues, ils sont obligés de circuler sur la chaussée, parce que les trottoirs ne sont pas entretenus, et nous en convenons. Néanmoins, en tous les cas, j'irai jusqu'au bout sur cette question-là. Même si je ne participe pas, je validerai, tant qu'il faudra, en tous les cas, toutes les décisions qui iront dans ce sens. Je n'ai pas de difficulté à soutenir les décisions que je prends ou qui sont prises par d'autres quand je les trouve justes. Et je l'affirme. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt pour dire « Maintenant, ce n'est pas moi. Je suis vraiment un conseiller municipal de base et je n'ai pas de réponse à vous donner. Je ne joue pas ce jeu-là. » Madame Schlegel, je vous ai coupé, pardon. Je voulais dire simplement que j'avais été très surprise aussi de la question parce que je me suis dit que vous auriez pu vous-même la répondre en disant simplement que les voies sont mesurées. On ne décide pas de mettre les voitures dans le fil d'eau du 1er au 15 et du 15 au 31 du côté pair ou du côté impair, simplement comme ça. On mesure la voie, on regarde si tout passe, si le camion poubelle passe, etc. On a discuté aussi de la vitesse. Tout le monde se plaint de la vitesse. Remettre les voitures dans le fil d'eau, c'est limiter la vitesse, etc. Ça règle plein de choses. Ça règle plein de choses. La seule chose que j'ai pu entendre, encore une fois, dans cette pétition, et c'est un riverain de l'avenue Foch qui l'a signalé en disant « Ok, on remet les voitures dans le fil d'eau, mais dans ces cas-là, il faut des trottoirs praticables. » Bien entendu. Sauf qu'il faut d'abord remettre les voitures dans le fil d'eau et ensuite refaire le trottoir. Parce que tant que les gens continueront à se garer sur les trottoirs, on n'aura jamais des trottoirs nickel. Parce qu'on ne pourra jamais bitumer tous les trottoirs de la ville. Ça nous coûte trop cher, c'est impossible. Donc si on veut faire un amalgame, si on veut faire un bicouche, si on veut faire quoi que ce soit, qui est tout à fait utilisable par les piétons, par les vélos, par les poussettes, il n'y a pas de problème. Ça, au niveau financier, on peut le prévoir. Mais par contre, il ne faut pas de voiture dessus. Sinon, les voitures vont encore démolir ce qu'on aura fait. Donc il faut d'abord remettre les voitures sur la chaussée. Dans toutes les rues où c'est possible techniquement. Dans les rues où c'est pas possible techniquement, on sera obligé de faire mi-chaussée, mi-trottoir, mais tout en laissant toujours le passage d'une poussette. Donc tout ça, on y réfléchit.
Après, on peut écouter toutes les pétitions possibles. On a reçu, quand on a mis le boulevard Gallieni en sens unique, on a quand même reçu un courrier d'une riveraine qui simplement voulait le boulevard Gallieni dans l'autre sens parce qu'elle avait l'habitude de garer sa voiture dans ce sens-là. Et que le matin, elle partait dans ce sens-là. Et qu'il était hors de question qu'elle fasse le tour. Donc on peut tout entendre, on peut tout écouter. Mais à un moment donné, et là où je rejoins Monsieur le maire, c'est qu'il faut savoir dire non. Il faut savoir ce qui est juste ou pas, et il faut savoir quel est l'intérêt particulier et quel est l'intérêt collectif. Donc à partir de là, cette pétition, Monsieur le maire a préparé une réponse, bien entendu. Voilà. Comme ça, vous en aurez tous connaissance. Donc, Madame, Monsieur, c'est avec grand intérêt que j'ai pris connaissance de la pétition relative au stationnement alterné boulevard Maurice-Guibert, pétition à laquelle je répondrai point par point. Le type de stationnement instauré, qu'il soit unilatéral ou semi-alterné, ne fait que mettre en application l'article R417-11 du Code de la route qui stipule que le stationnement sur le trottoir est interdit. Je vous rappelle que sur les communes d'à côté, vous pouvez récupérer 135 € d'amende lorsque vous êtes stationné sur le trottoir. Faites-en l'essai et revenons ici en parler. Vous pourrez constater par vous-même que le stationnement des véhicules dans le fil d'eau boulevard Maurice-Guibert, dégage côté pair ou impair, suivant la quinzaine, une vingtaine de places. Hors bateau, trottoir, sur lesquels le stationnement des riverains est toléré. Là encore, la tolérance, comme son nom l'évoque très bien, c'est une tolérance. Le bateau, on n'en est pas propriétaire. Néanmoins, on s'accorde cette tolérance sur la ville, estimant qu'il est de bon ton, puisque personne va tenter de se garer, sauf à être gougnafié, sur le bateau de quelqu'un, qui ne serait pas son bateau. Je tiens le point 2, Madame Miranda. Juste dire qu'il est interdit de se garer sur les bateaux parce qu'en cas d'intervention de pompiers ou de secours, ça permet l'accès à l'habitation. Donc il est normalement interdit de se garer sur. Donc on est sur une tolérance. Point 2, je tiens à rappeler que le fait de se garer sur le domaine public n'est pas un droit, notamment au droit de sa propriété. Surtout pour entendre « je veux voir ma voiture devant chez moi ». Enfin, c'est à mourir de rire. C'est pas sérieux. Garez vos voitures chez vous, si vous voulez les avoir sous la vue. Le fait de réguler le stationnement aura parfois comme contrainte d'obliger les riverains à se garer ailleurs que devant chez eux et incitera certains à rentrer leur véhicule. Ah oui, si on veut le voir, s'il faut qu'il soit sous son nez pour que tout se passe bien, ben on le rentre. Vous avez normalement les espaces sur vos terrains. Le boulevard Maurice-Guibert étant une voie communale, le maire, au titre du Code général des collectivités territoriales et du Code de la route, se doit de faire respecter les règles de circulation et de stationnement. Que m'arriverait-il si demain un gamin se faisait toper sur la chaussée ? Mais monsieur le maire, qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait pendant vos 3 années ? Pourquoi les voitures sur cette ville ne sont pas sur la chaussée ? Pourquoi est-ce ainsi ? Trouvez-vous un autre territoire ? À ce titre, la commission communale de circulation a décidé de rendre l'usage des trottoirs aux piétons, et cela dans toutes les voies de la commune. Je ne me suis pas caché, pour le dire à l'occasion des vœux, que dorénavant sur la ville, l'objectif c'était celui-ci. Et ça se fera avec intelligence et dans le temps. Avec la concertation qui s'y est et l'information qui, j'espère, sera déroulée dans le bon sens, Madame Dumette. Je vous le concède encore une fois. Ces dispositions déjà mises en application rue des Glycines, boulevard Gallieni, se poursuivront avenue Foch, boulevard Maurice-Guibert, rue des Amandiers et le boulevard Nast pour l'année 2017. J'espère ne pas faire trop de déçus dans l'Assemblée, mais en tous les cas, chacun pourra l'entendre et le voir, puisque tout ce que nous nous disons est visible sur le site. J'ai pris bonne note de la réflexion de certains riverains relative à l'incompatibilité d'une progression normale des piétons au vu de l'état des trottoirs. Conscient de cette situation, j'ai demandé au service technique, dans l'attente d'une réflexion définitive de la voirie, que soit réalisé un bicouche gravillonné sur l'un des trottoirs, au moins de la rue concernée. Je comprends que ma réponse ne vous satisfasse pas. En partie. Mais l'application réglementaire du stationnement à Gournay est inéluctable et se fera dans toutes les rues, quitte à changer certains sens de circulation
ou de priorité. Ce que j'ai indiqué d'ailleurs à un administré de cette rue qui a eu la courtoisie de venir me voir pour me dire son mécontentement, avec qui j'ai échangé assez longuement et à qui j'ai dit de toute façon que forcément, et d'ailleurs ça fait partie de la commission, stationnement et circulation. Bien évidemment que dans certaines rues qui sont un peu étroites, nous serons amenés, et la commission sera amenée à faire des propositions. Et je me demande s'il est de bon ton que certains y restent encore. Nous devons tous être conscients de l'utilité de rendre les trottoirs aux piétons. Sachant qu'il est intolérable de voir chaque jour des enfants se rendre à l'école en marchant sur la route à cause de véhicules garés sur le trottoir. Eh bien moi, ça m'insupporte, que ça te plaise ou non. Ça ne me plaît pas, cette situation, et je veux qu'elle change. C'est pourquoi je pense que la décision de la commission communale de circulation est juste, étant vers le sens de la responsabilité de chacun. Et ça, je l'affirme et je le signe sans difficulté, et je ne me cacherai pas pour le répéter demain. Merci de m'avoir écouté si longuement. Monsieur Agement, je vous en prie. Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, je suis preneur. Nous apprécions beaucoup votre talent oratoire, monsieur le maire. Ceci dit, je ne conteste pas ma participation à cette commission. Je ne reviens pas sur les décisions que nous avons prises ensemble. Je pense qu'il est cependant préférable que nos concitoyens puissent s'exprimer, y compris dans cet auditoire, et que cette explication de ce soir était sans doute intéressante, pour eux comme pour nous. Mais c'eût été bien dommage de les priver de pouvoir s'exprimer. Et c'est mon rôle de les laisser s'exprimer, s'il vous plaît. Je ne conteste pas le fait que les administrés posent des questions et manifestent leur désaccord. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Je crois même que vous avez d'ailleurs été invité à recevoir les administrés pour leur faire part de vos décisions, les décisions de la commission. Jusqu'à maintenant, profil bas, personne au rendez-vous. Donc, ça suffit. Faire de la politique, il faut avoir un peu de courage. Il ne s'agit pas simplement de se faire élire. Il faut affirmer un certain nombre de choses et les défendre, ses convictions. Et quand on fait de la politique pour le bien commun, il y a un certain nombre de choses qui doivent être affirmées, réaffirmées, sans gêne, sans honte. Et moi, ce type de question, venant d'un élu qui est vice-président de cette commission, je trouve ça un peu léger. Ceci étant, je continue d'affirmer le fait que les administrés ont vocation à nous interpeller sur toutes les questions qu'ils veulent. Ça pose aucun souci et aucun problème. Pardon d'avoir été un peu long, mais en tous les cas, il me semblait nécessaire de repréciser un certain nombre de choses sur la question de la circulation et du stationnement sur la ville. Merci de votre attention et belle soirée à tout le monde. Monsieur Attal, pardon. Et monsieur Fournier, excusez-moi. Je vais laisser monsieur Fournier. Non. Oui, ben, je veux juste revenir sur ces propos-là. Parce que je fais partie de la commission aussi, et c'est vrai que c'est regrettable que cette question soit posée comme ça, puisque c'est les riverains de ces quartiers qui nous font également les propositions et qui participent à la commission. Vous en êtes d'accord? Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et comme l'a dit monsieur le maire, en aucun cas il intervient dans cette commission, c'est nous qui décidons. Donc il faut l'assumer. Et moi, la décision qui a été prise me concernant dans ma rue, je ne suis pas pour, mais je l'assume. Merci. Vous savez pourquoi vous faites de la politique, monsieur Fournier. Monsieur Attal, je vous en prie. Écoutez, j'espère que je vais pouvoir apaiser en vous lisant 3-4 lignes cette soirée. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de Gournay-sur-Marne depuis plusieurs années, je souhaite aujourd'hui me retirer de cette fonction. Par conséquent, je vous adresse par la présente ma démission du conseil municipal. À compter du lendemain de la réception de cette lettre, soit le 21 février 2017, je vous laisse le soin de communiquer cette démission à monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis. Je vous remercie de votre confiance durant ces quelques années et souhaite beaucoup de succès à l'équipe de monsieur Jean-Pierre Lahaye, mon successeur à la tête de notre liste d'opposition. Je remercie Suzanne Charrier, Bernard Livian, eux-mêmes conseillers municipaux de cette même liste, ainsi que l'ensemble des Gournaisiens qui nous soutiennent. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'assurance de mes respectueuses salutations. Merci, monsieur Attal. La séance est levée. Je remercie toujours le public de venir aussi nombreux. Madame Charrier, on n'en finit pas. À vous. Merci, je ne vais pas être très longue. Moi, je voudrais remercier vraiment sincèrement et du plus profond de mon cœur et avec beaucoup d'émotion Franck Attal pour son implication pour notre ville. Merci. Merci de l'avoir dit. Belle soirée à tous.